Bonjour, nous allons réaliser un dessert muffin moelleux aux pommes. Nombre de muffins 6. Temps de préparation 15 minutes. Degré de difficulté très facile. Coût bon marché. Je sais plus si j'ai dit le temps de cuisson, c'est 25 minutes. Voici les ingrédients. 250 g de farine, 2 œufs, 50 g de beurre, un sachet de levure chimique, 60 g de sucre en poudre, 3 pommes, 5 décilitres de lait, végétal j'ai pris. Vous pouvez prendre du lait normal, du lait de vache ou du lait végétal, n'importe quelle saveur. Moi j'ai pris riz amande. Pour commencer, éplucher les pommes et couper-les en dés. Allez, on va faire ça. Voici les pommes coupées en dés. Maintenant, les réserver. Maintenant, on va faire fondre le beurre un petit peu et le mettre avec le sucre. Voici le beurre et le sucre mélangés. Maintenant, ajoutez les œufs légèrement battus. On va casser les 2 œufs dans le bol et les battre un petit peu. Et après les rajouter dans le beurre et le sucre. Voici les œufs battus un petit peu dans le sucre et le beurre. Maintenant, on va mélanger. Et après on rajoute la farine, Et la la levure et le lait. La pâte ne doit pas être liquide. Voici la pâte bien mélangée. Elle est belle. Elle n'est pas liquide, ça va. Elle est belle, regardez. Elle est brillante. Maintenant, rajoutez les pommes coupées en dés dans la pâte et remuez pour incorporer les pommes. Voici les pommes mélangées à la pâte. Maintenant, on va prendre des moules en silicone. Si vous n'avez pas des moules en silicone, vous beurrez légèrement des petits moules ronds, assez profonds, et remplissez-les de pâte aux 3/4 seulement. Moi, je Je vais vais. prendre des moules en silicone. Moi, j'ai des moules en silicone. Pas la peine de beurrer. Allez, on va remplir de pâte aux 3/4 seulement. Voici la pâte dans les moules. Moi, j'ai réussi à en faire 2 plaques. Regardez, j'en ai fait un de 12. C'était pour 6, mais j'ai réussi à faire 12. Maintenant, faire cuire 20 à 25 minutes à four moyen, thermostat 6, 200 degrés. Allez, on va mettre au four et on va mettre à 200 pendant 20 à 25 minutes. Je vous montrerai à la fin comment c'est. Voici les muffins moelleux aux pommes finis. Laissez-les refroidir et les démouler. On peut rajouter de la cannelle dans la pâte la prochaine fois, si vous voulez. Bon appétit à tous.